Avant que votre vidéo commence, découvrez les nouveaux épisodes des Simpson Fit Note du lundi au vendredi sur Sudomemo et sur la chaîne YouTube des Simpson Fit Note. Attention, utilisez les Dragon Joy-Con et tenez les manettes fermement. Soyez attentif à ce qui vous entoure quand vous jouez. Pensez à faire des pauses régulièrement et évitez de vous fatiguer excessivement. Faites de l'exercice chez vous avec Jump Rope Challenge. Jouez un petit peu chaque jour et visez les 100 sauts. Faut tenir les Joy-Con comme ça et sauter comme ça. Faites semblant de sauter à la corde. Ah ok, faut juste faire ça. D'accord. Jour numéro 1, d'accord. Eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Homer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo gaming un peu bizarre et particulier. Parce qu'aujourd'hui, on va jouer à un jeu Nintendo un peu bizarre et... un truc comme ça. On va jouer à Jump Rope Challenge. En gros, c'est quoi ce jeu? C'est un jeu qui a été développé par Nintendo, ça a été sorti. Nintendo, ils ont sorti ce jeu pendant le confinement, c'est en 2020, qui permet que les joueurs permettent de faire de l'exercice, parce que c'était le confinement en 2020. Et donc, Nintendo a décidé de créer ce jeu. Le but, tout simplement, c'est de sauter comme ça. En sautant comme ça avec la manette, et là, ça compte en fonction... par contre, je sais pas s'il faut sauter en rythme. Il faut pas sauter en rythme. Normalement, il faut sauter en rythme à la corde à sauter. Hein. C'est ça qui est vraiment bizarre. Voilà, c'est tout simplement de la corde à sauter. Voilà le fameux truc de la corde à sauter. Comme la musique. Corde à sauter, corde à sauter. Ouais, c'est vrai que ça fait penser à cette chanson de Monsieur Tambo là. Bon, voilà, le but c'est tout simplement de sauter. Je sais pas s'il faut sauter en rythme ou alors c'est sauter comme ça. On va essayer. Bon, là c'est avec sur ma manette parce que je joue sur émulateur, mais bon. Avec aussi avec le truc de problème du câble là, comme je vous ai expliqué. Mais après, j'utilise. Je joue sur émulateur donc après, je sais pas comment ça va être. Parce que voilà. Du coup, ce qu'il faut faire, il faut tout simplement faire de la corde à sauter. Il faut juste sauter comme ça. Et ça compte tout simplement le nombre de sauts que vous faites. Bon, voilà. Vous risquez peut-être d'entendre le bruitage de déco de Windows. Il faut juste gigoter comme ça. Et ça compte le nombre de pas. Il faut juste faire ça. Faire de la corde à sauter. Et essayer de faire autant de pas. Et d'arriver jusqu'au-dessus de la jauge aussi. Voilà, le but c'est de faire ça. Voilà, maintenant pour aussi faire des doubles sauts. Bon voilà, je vais un peu baisser le son sur OBS, excusez-moi. Voilà, faut juste... vous voyez pas, je suis en train de gigoter, de faire en haut en bas. Merde, de faire en haut en bas avec la manette, c'est pas très pratique. Voilà, challenge quotidien réussi, arrêtez ou continuez. On va voir qu'est-ce qui se passe. Oh, il y a un chat. Pourquoi il y a un chat? Ok, j'essaye de gigoter la manette, des fois ça fonctionne pas trop, parce que c'est pas comme un vrai Joy-Con. Mais bon, après je joue sur émulateur, j'essaye de... Oh putain, je fais tellement de pas, et en plus j'ai pas trop besoin de sauter, faut juste gigoter la manette. Voilà, c'est juste un jeu comme ça, ça fait de l'exercice. Voilà, c'est juste un jeu comme ça que Nintendo ils ont créé pendant le confinement ou que pendant le Covid. Voilà, vous faites beaucoup de sauts. Et après, vous pouvez faire une pause, ça va mettre en pause le jeu. Et voilà, vous pouvez gagner des poissons, c'est ce que je vois. Voilà, faut juste gigoter la manette comme ça. Et de faire ça en plusieurs jours, parce que c'est marqué jour 1, comme la chanson de Luan. Et donc, faut faire ça plusieurs jours quotidiennement. Voilà, on a le bruitage de chat, c'est marrant. Voilà, faut juste... vous voyez pas, je suis en train de... de monter et descendre, de gigoter la manette. C'est ce que je suis en train de faire, vous voyez pas à la cam. Mais voilà. Faut faire des pas comme ça. Faut juste sauter. Voilà, on arrive à 300. Après, je sais pas si ça va changer le décor. Mais voilà, faut juste sauter comme ça. Faut juste... est-ce que je vais dépasser le score de 1000? Tiens, on va essayer ça. Je commence déjà à être essoufflé, forcément. Lol, lune. Voilà, faut juste gigoter avec la manette. C'est pas très... voilà. Bon voilà, 360. Voilà, faut juste gigoter avec la manette et faire beaucoup de sauts. J'essaie de gigoter la manette. Bon là, vous entendez aussi un petit bruit parce que le câble il tape un peu le la boîtier du PC gaming, la tour. Voilà, 400. Je sais pas quel est le score. Que direz-vous de faire une pause? Si vous continuez, n'oubliez pas de rester attentif. Bah je suis assis. Hein. Attends, j'ai mon œil qui. Bon, ça voilà.
Voilà, faut juste secouer là. Les Joy-Con, enfin c'est pas vraiment un Joy-Con, c'est une manette PS4, bon, parce que je joue sur émulateur, mais bon, de toute façon je vais vous expliquer. Mais en gros, c'est un jeu comme ça, c'est un jeu toute bête où chaque jour, parce qu'on peut faire ça tous les jours, mais pourquoi ça marche pas? Ouais, ça bug. Bah tu sautes comme ça. Voilà, tu sautes comme ça et on peut faire une pause, on peut s'arrêter si on est fatigué. Voilà, faut juste sauter comme ça avec la manette, en haut, en bas encore. Voilà, on gagne des poissons à chaque centième de saut. Voilà, faut juste sauter, on peut jouer à deux joueurs. Bon, de toute façon, je suis tout seul. Voilà, faut juste sauter comme ça. Vous voyez pas la cam parce que vous voyez pas, mais je suis en train de faire ça avec la manette pour sauter. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà, on va essayer d'avoir 1000 pour voir. Voilà, bon, ça va pas être une vidéo très longue. À mon avis, cette vidéo sera pas très longue. C'est juste un jeu comme ça. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur ce jeu. Ça pourrait être, ouais, intéressant. Enfin, voilà. Ah, ça s'est arrêté. Ah. C'est que des fois, ça reconnaît pas les mouvements. Ah, ouais, mais avec la manette qui se décoille à cause du câble. Bon, voilà, c'est juste un truc que je vous ai expliqué. Pour ça, vous allez peut-être entendre le bruitage de Windows. Mais voilà. Et aussi, vous entendez un peu de bruit. C'est parce que le câble où j'ai branché la manette, il tape un peu sur le. Sur la tour du PC Gaming. On va essayer d'aller jusqu'à 1000 pouvoirs. Voilà. Faut juste faire ça par jour. Autant que vous voulez. Jusqu'à que vous êtes essoufflé. Ah bah dis donc, vous allez me dire, Homer, tous ces sauts, c'est impossible. Ce serait très fatigant. Je suis quand même surpris qu'il faut pas sauter en rythme. Que vous voyez la corde là avec le petit lapin qu'il fallait sauter en rythme. Je pensais que ça allait juste tourner, sauter en rythme, et pas sauter trop tôt ni trop tard, mais ça compte quand même. Ah, 700. Allez, go, continuons. Que direz-vous de faire une pause? Ah ouais, c'est parce que Nintendo, il croit que, waouh, vous sautez tellement beaucoup. Pourquoi vous faites pas une pause? Vous allez vous fatiguer, lol. Voilà, faut juste sauter. Ah merde. Oh, des fois, ça reconnaît pas le mouvement. Voilà, faut juste sauter comme ça. Ouais, vous entendez un petit peu de bruit, hein. Si vous entendez ce petit bruit, c'est comme je l'ai dit, c'est le câble de la manette qui touche le PC Gaming. La tour. Oui, ça. On va voir si on peut arriver jusqu'à 1000 pour voir. Miaou. Depuis tout à l'heure, j'entends des bruits de chat, des miaulements. Voilà, on continue à gigoter. À sauter. Enfin, entre guillemets. Ok. 807 ans. À chaque 10 pas, à chaque 10 sauts, bah, il y a ça. Ça se met en jaune. On va essayer d'aller jusqu'à 1000. Je commence à être essoufflé. Forcément. J'ai même pas vraiment besoin de sauter physiquement. C'est juste gigoter la manette en haut en bas. Ok, on va arriver à 1000, on va voir ce qui se passe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on est à 1000. Et on peut continuer ou pas? Ah, c'est peut-être fini. Je continue. Il n'y a plus de compteur. Je commence. Ouais, bah je crois qu'il n'y a plus rien. Waouh. Ah, ça compte quand même. Ok. Je suis déjà essoufflé. Ok, je peux pas passer au prochain jour. Bah non, c'est en fonction des jours. Voilà, modifier l'objectif quotidien. Ah ouais, on peut aller jusqu'à super loin. 500, ce serait bien. Ça continue ou pas?
Bah, il n'y a pas le compteur. Plus 27, si je fais un saut. Non? Ok, ça compte quand même. Voilà, après, pour les autres jours, bah, c'est en fonction. Je crois qu'on peut aller jusqu'à l'infini, hein. Il n'y a pas de limite de jours, 300 jours, ah si, à centaines de jours, je sais pas, je peux bien compter. Bah, écoutez, hein, je crois que c'est bon, hein. Je crois que il n'y a plus rien d'autre. Écoutez, Attends, peut-être si je redémarre. Si je redémarre le jeu. Bon, on revient ici. Ouais, bon. Bon, bah. Je veux bien essayer le deux joueurs, mais il faut que je change dans les paramètres de Yuzu. Je crois que ça sert à rien. Ok, bon, bah. Du coup, voilà. Si je redémarre encore une fois le jeu. Ouais, bon là, si j'appuie sur Y parce que je joue sur émulateur, ça va faire ça. Je crois qu'il n'y a plus rien. Ouais, ça compte ce que tu as fait aujourd'hui. Bon bah on va s'arrêter là pour cette vidéo, ce sera une courte vidéo. Bon bah voilà, c'était Jump Rope Challenge, voilà, c'était ce jeu-là. Voilà, avec le célèbre corde à sauter comme la musique. Voilà. Merde, je bougeais pas, je faisais ça, mais bon, c'est normal aussi. Bon bah on va s'arrêter là pour cette vidéo, je suis quand même un peu essoufflé. Du coup c'était Jump Rope Challenge, si vous voulez acheter le jeu, bon. Il y a une petite anecdote, c'est que j'ai vu un article que Nintendo voulait supprimer le jeu à la fin du confinement, mais comme ils ont dépassé 10 000 ou 100 000 sauts mondialement, enfin voilà, bah Nintendo ils ont décidé de garder le jeu et vous pouvez le télécharger et l'acheter. Bon bah c'était Jump Rope Challenge, hein, faut juste sauter comme ça et je fais ça avec la manette et du coup ça permet de calculer les sauts. Bon allez, bref, bon bah du coup les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était une vidéo sur Jump Rope Challenge. J'espère que ce jeu vous aura plu. Un jeu créé par Nintendo pour le confinement. C'était quand c'était le Covid. Mais en tout cas, voilà, c'est juste un jeu comme ça, il n'y a rien d'autre. Tu fais ça tous les jours et voilà, et vous faites une pause et vous reprendrez si vous êtes bien reposé. Mais bon voilà, du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Voilà, si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur mes autres comptes puisque c'est moi Lucas Sunshine. Bon voilà, bref, c'est la fin de cette vidéo sur Jump Rope Challenge. Voilà, c'est juste un jeu tout bête créé par Nintendo pour le confinement. Mais voilà, c'était quand même plutôt pas mal et c'est plutôt bien. Bon voilà, du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer, alias Lucas Sunshine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Miaou! Allez, à bientôt pour des nouvelles vidéos. Eh, je t'ai pas demandé de sauter, hein. Lol, lul. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.